C'est l'un des albums les plus attendus de l'année. Peu avant son décès, Johnny Hallyday était retourné en studio pour enregistrer un nouvel album. L'opus devrait sortir à titre posthume dans les mois qui viennent et est bien évidemment patiemment attendu par les fans du rocker et des millions de curieux. Problème, David Hallyday et Laura Smet devront attendre, comme tout le monde, la date de sortie pour connaître les derniers titres de leur père. D'après Le Parisien, les enfants biologiques du rocker auraient souhaité pouvoir écouter le produit fini afin de s'assurer du respect de l'intégrité artistique de leur père. Un droit qui leur est pour l'instant refusé, Laetitia Hallyday ayant obtenu l'intégralité des droits artistiques de son défunt mari. Pour l'heure, l'épouse de Johnny Hallyday ne semble pas prête à céder du terrain sur ce point. Tout comme la vente de la propriété du chanteur à Marne-la-Coquette, la question des droits doit être tranchée lors de la première audience, le 15 mars prochain au tribunal de Nanterre.